Yeah. Bah là c'est gagné, c'était la run. C'était la run mais mon personnage est tombé dans le vide. En fait je suis revenu à la P2. Et mon personnage est tombé dans le vide. Dommage, c'était la run. Voilà, tue-moi. Tue-moi. J'ai raté la première esquive. Ça sert à rien. Tue-moi là! Putain, 1h30! Voilà! Allez, let's go! Ah oui, je voulais changer l'amulette. Hein. Personne me l'a fait rappeler. Personne me l'a fait rappeler. Encore une augmentation de taux de dégâts de 15%, consommer une relique. En vrai, ça c'est pas mal. 15%, je tapais 125, ok, on va voir. Taper 125, on va voir combien je tape. Let's go. Même quand je claque des mains, je prends des dégâts. Même quand je claque des mains, je prends des dégâts. On recommence. Quand je claque des mains, je... En fait, il fait... Claque pendant 5 secondes et du coup, tu peux rien faire. C'est trop bien. Le claquement de main, en fait, ça permet de soigner avec le chien. Mais ça dure 6 secondes à se déclencher. C'est un peu chiant. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, je tape 20 de plus. Je tape 20 de plus partout. C'est tellement plus rentable.
trop tôt. Il y a les boules qui vont spawn là. Les boules vont spawn les amis. Balles les potes. Je vois rien. Dernier son les potes. Non, il y a pas de bruit. On y est presque, on y est presque. On y est presque, il y a juste un truc qui me baisse, c'est que... Des fois quand j'apparais dans la P1... J'apparais dans la P1 en fait, bah, le boss est dans mon dos et je mets une heure à le trouver. Et du coup je peux perdre la vie là-dessus. D'ailleurs le chien m'a pas res, donc il a dû me res au début du combat, j'ai dû faire de la merde. C'est vrai que la res du chien faut que je la garde pour la fin.
Ok, j'ai esquivé deux fois, ça a pas compté. Très mal joué là. Je fais de la merde hein. J'ai utilisé deux soins, ce qui est très mauvais. Hein. Non! Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Je suis bloqué, let's go. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Mettez-moi devant lui. C'est mal fait. Très mal, je joue très mal. Ah, je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger, je pouvais pas rouler. J'ai des stuns. Voilà, après j'ai pris deux coups. J'aurais dû pas prendre, j'aurais pas dû prendre en roulant.
Ouais, le truc c'est que ce combat, il faut être focus pendant 40 minutes pour le battre. Et je pense que si mon arme était plus augmentée, bah, je ferais beaucoup plus mal et serrerais beaucoup plus vite à la P2. Je pense que tu connais le combat par cœur, Tukimi. Le chien est mort. Allez, graisse-le ce putain de chien! Putain, j'en peux plus! Je suis dans la merde. C'est bon, il est raise là ou pas? Il est pas raise. Non mais j'en peux plus. Je ne l'oublierai pas. Ah, on va perdre à cause de lui. Possible. Je voyais pas.
C'est sans ce combat quand même, hein. Effacer tout ce qui existe. Reprendre à zéro. Non, à zéro ? C'est pas justement ce qu'on voulait empêcher ? Oui, mais on n'a plus le choix. La racine va tout détruire. Absolument tout. Pour toujours et à jamais. On n'entend rien, parlez plus fort, bande de cons. Non. Gardien, il y a un autre moyen. Roman, couvre-moi. Oh non ! Non ! Non ! De rien. Non ! Ok. On a failli mourir là-dessus !
Mais il est où Ford dans tout ça? Parce que Ford on l'a pas trouvé encore. Mais il est là ce clochard. Ah c'est tout? Ah oui c'est une fin random quoi. Moi ce que j'ai compris c'est que Clémentine elle aspire tout le monde dans son cul et c'est la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah le jeu est cool, le boss de fin est très ardu. Le boss de fin en fait t'es obligé d'apprendre tout par cœur. Dès que t'as tout analysé, tout appris, bah c'est facile. La P1 elle est facile. La P2 elle est facile aussi si tu te mets tout à droite comme j'ai fait. Et tu esquives à chaque fois la barre. Et faut détruire les boules aussi à la moitié. Dès que t'as détruit les boules t'es tranquille. Tu prends toutes les balles au milieu. Après faut prier pour pas fail. Parce qu'en fait c'est à ce moment là que ta concentration elle baisse. Et si t'y arrives bah t'y arrives et sinon bah tu recommences. C'est pour les GG le chat. Bah je vais vous montrer hein. On va le faire juste après là. Et ouais le jeu est cool. 12 sur 20 MDR. Non moi j'aurais mis 15-16 je pense. Mais ouais j'ai bien aimé. J'ai fini le 2, j'avais pas fini le 1. Le 1 j'avais arrêté au boss final. Par flemme, je pense. Lol, Chokutokimi. Et encore, on était qu'en vétéran. Après, j'ai pas farmé de tout le jeu. J'ai pas farmé tout le jeu. J'ai fait le jeu comme il fallait le faire, je pense. Sans farmer. Donc, on a réussi sans farmer. Mais. Je pense que pour le Apocalypse, là où je sais pas quoi, faudra farmer. Tu pourras pas finir. Si tu fais pas de dégâts, si t'as pas de soins, tu peux pas avancer. Le chien MVP, MVP dans ce fight final, il a servi à rien. C'est un plaisir. Un plaisir. À part mourir 600 fois, je le reste 600 fois. Même à l'avant-dernier boss aussi, il faisait que crever. Alors j'en pouvais plus. Il m'a pris mon mental, il a écrasé. J'ai même pas clip la fin d'ailleurs. Avec la victoire quoi. Bref, on va voir ce qui se passe après. On va voir s'il y a une suite. D'ailleurs Ford il a disparu au début du jeu. Ford c'est le vieillard pour ceux qui se demandent. Au début du jeu il s'en va. On est censé le retrouver. On est censé retrouver Clémentine. Clémentine on l'a retrouvé. Mais lui on l'a jamais retrouvé. Et là on le voit à la fin dans son QG. Tranquille. Donc je sais pas. Après c'est peut-être pas fini.